Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 14e épisode de notre 16e mission en coop sur Icarus Avalanche Expédition. On a récolté l'exotique, aujourd'hui on doit faire le trajet de retour jusqu'au pod. Allez, c'est parti. C'est bon. Il y a une bestiole qui vous a vu. Ok. C'est une meute de lapins. Est-ce que c'est des lapins garous? Bah, ils ont voulu se réchauffer pendant la tempête et voilà ce que ça donne. Voie à droite. Je suis. Je l'ai. Y'a plus. De toute façon, on passe à droite. Attention, crevasse là. Trou. J'ai été tout droit, moi. Mais moi, je passe tout droit. Je crois que t'as un loup à droite, non? Ah ouais. Ah ouais. Ah pu. J'ai des petits lavouillages, moi. Je sais pas si c'est la chaleur. C'est bon. Kit cam. C'est moi. Il y en a deux autres derrière. J'ai eu kit cam aussi. Hein. Oui, moi aussi, mais... Là, il y avait un petit chat. Un petit loup. Ouh, level 50, encore. Il y en a encore un derrière. J'ai eu. Laisse-moi prendre des points. Pardon. Vous êtes au max. Pourquoi je vais à l'ouest? Est-ce qu'on va à l'ouest? Ah, c'est par là. Il y a un loup à gauche. Gauche, il y en a deux. Ah oui, à gauche. Il y a un loup en face aussi. Il désolé, il nous avait vu. Hein. Ouais. Moi j'attendais patiemment au cas où il. Ben, moi il me regardait droit dans les yeux donc. Ah, il y a un petit chat. Il allait me voir, j'ai pas attendu. Eh bien. Voilà, il y a un troupeau là, on part par là-bas. Allez, on va dans le trou. Moi je vous attends à côté. Je suis sous l'avalanche. Et ouais, je regardais capot parce qu'il y avait une meute de loups et je me suis dit s'il leur tire dessus qu'il les aggro, il va dans la cagade. C'est pour ça que j'ai vu qu'il y en avait trop, j'ai dit hop, je me casse. Ils allaient dans le sens opposé. Par contre, il y a un paquet de loups aussi ici. Et ils nous ont vus. Baissez-vous. Gauche. C'est mis à deux pour le rater celui-là quand même. Ouais, mais j'ai eu juste vraiment la dernière seconde. Attention. Eh ben. Il y en a encore un de planqué derrière. Level 50 encore. Mais il est en train de faire le tour en même temps que nous dans l'autre sens. Ah putain, c'est je me reprends une engelure. Ouais, je vois, tu prends des dégâts. Ressort, ressort. Je sors. Là, il y a un loup 27. Il est coincé contre un buffle. C'est du coup. Hypothermie encore, c'est pareil. Je vais poser le feu vite fait, sinon je vais perdre des PV là. Dans un coin à ours? Ouais, vas-y. Alors qu'on vient de tuer un loup? Ouais, vas-y. Un peu plus loin alors. Mais... Moi j'ai un centimètre de stam donc. Avec l'hypothermie. J'ai entendu un ours. Pas moi. Je vois un cerf par contre. Capot qui se balade avec son feu de camp. Ouais, j'attends que vous vouliez bien que je le pose. Alors. Donc là, c'est direction nord. Ouais. Je le pose mon feu.
Attends, il y a un sanglier là, il va te. Ou alors, remarque, tu peux. Vas-y, vas-y. J'ai cru entendre un bruit d'ours. Va falloir le dépecer celui-là. C'est bon, il peut terminer. Je pense que tu peux laisser le feu de camp sur place. Il y a un ours plein ouest. Entre les arbres plein ouest. Équipez votre gourde. Ah oui, c'est vrai. Merci. Bien vu. C'est un autre ours, ça. Lodos, c'est un ours à ta gauche. Ah non, c'est un cerf. J'ai eu peur. Je viens de voir un cerf, pas un ours. Ouais, j'ai vu son dos, en fait. Du coup, je me suis fait avoir. Euh, 11h03. Est-ce qu'on n'a pas le temps de rentrer d'une traite hein? On fera une pause sur la route. Du coup, t'as reposé le feu de camp, Capo, ou tu l'as gardé? Ah, je l'ai reposé. Je l'ai laissé. Je l'ai laissé. On peut en prendre un ici. Tiens, je vais juste jeter un coup d'œil sur les baies. Il y en a 3. 5. Ouais, c'est vraiment aléatoire. Hein. 6. Et 3. C'est plus fou encore ou quoi, moi. Par contre, ça produit pas en boucle, c'est plutôt bizarre. C'est vraiment mal foutu, là. Du coup, vous prenez un feu de camp ici, et puis on trace. Quand il fait jour. T'as de quoi refaire des flèches ou pas avant de partir, du coup? J'ai pas quasiment pas de dos, mais possible, oui. Je peux même te donner la moitié de ce que j'ai, t'en as plus du tout? J'en ai 15. Ok. J'en ai 95. Tiens, dans le feu de camp là qui reste seul, j'en ai mis 47. C'est bon? Yeah. Ouais. Au pire, je t'en passerai, j'en ai 91, mais moi elles sont pourries. Enfin, elles sont pourries. C'est des normales. Alors à gauche on a un buffle. Deux buffles. Je peux pas les équiper. Ah si, j'arrivais pas à les équiper. Moi j'avance, hein, je sais pas si vous suivez. Ouais, j'avançais aussi. J'ai un peu. Oh! Nuage orageux dense, on va se faire foudroyer. Ouais. Si on pouvait arriver au moins du côté des. De la rivière. Oh! Ouais. Je crois. Ouais, je vois tout le vent. Ouais. Ok. L'explosion monte presque pas, hein, donc je pense qu'on peut légitimement tracer. Par contre, la stam remonte doucement. Bah, c'est ça en tempête. Vous avez pas pris des potions de régène de stam? Si, moi j'en ai, j'avais mis 10.
Moins 7, ça va. Genre, je les ai pas pris. Ouh, il est pas tombé loin, ça va. J'ai mis mon point rouge le long de la rivière, là où elle remonte. Et moi, j'ai mis mon point bleu sur... sur les... sur les pads ? Les pads. Mm. On ne se moque pas. Ah ben non, j'ai raté parce que j'ai raté aussi. Ah. J'ai sauté même endroit que toi, en même temps que toi, et je me suis raté pareil. C'est peut-être parce qu'on pouvait pas sauter à cet endroit-là. Possible. Voilà, on peut suivre un peu la rivière. Parce que la tempête est finie. Par contre, je lagouille. Faudrait que je te rende ta pioche avant de partir ou... Ah ouais, éventuellement, comme ça, ça évitera d'avoir à la re-récupérer. Et je coupe un peu à travers la forêt en espérant pas tomber sur un ours. On va traverser ici. Hein. Buffle à gauche. C'est Valados, tu suis ? Ouais. Bah, je cours moins vite que vous, hein. Je sais pas pourquoi. Mais déjà parce que t'as pas pris tes potions de régène. Et puis après... Ouais, moi j'ai des... Si, t'as le bonus pour courir plus vite avec l'arc. Je crois pas, non. Moi j'ai ça, Capo il a le maître de la forêt. Oula, j'ai eu un méchant rollback. Ouais, j'en ai eu un petit aussi. On est où ? On est là. Oh, il y a un ours dans le coin, attention. Droit devant, c'est un ours. On contourne par... Et droit derrière, c'était un loup. Je contourne par la droite. Ouais. Attention, il y a un loup. Encore. On longe la montagne qui est un peu plus au nord. Je fais des piercings aux oreilles des loups. Oh, je lagouille. Je pense que mon PC a chaud. Ouais. C'est le quatrième rollback que j'ai là d'affilée.
cours déjà un peu moins vite et en plus j'ai des retours arrière. C'est le jeu qui te dit non, tu ne courras pas si vite. Est-ce qu'on peut descendre la capot ou est-ce qu'on n'est pas monté trop haut? On peut descendre de là, ouais, je pense. C'est la rivière là. Ça doit l'être. Ça y ressemble. C'est une forme de rivière. Ça a l'air mouillé. Et il y a un geyser à côté duquel on était passé. Impressionnant ces petits geysers, dis donc. Vous avez vu, Capo? Ouais, ouais, genre, bon, on en avait vu dans le désert. Les geysers? Je me souviens plus qu'ils étaient des... Ils étaient déjà implémentés? Ouais, oui, on avait vu sur une sorte de petite oasis dans le désert. Tu nous avais même dit que tu savais pas si c'était cumulable avec... Ils étaient tous cumulables, en fait, si on les faisait tous, si on avait un chapeau d'exotique. Oula, je suis passé à côté d'un ours. Un gros ours. Non, c'est un sanglier. Oh, c'est pareil. Où est-ce que je vais, moi? C'est avec qui spawn. Ok. Ceci n'est pas ton vaisseau, d'accord. Moi, je suis à mon pod. Regarde sur la map. C'est bon, je l'ai là. Ouais. Et le rue, tiens. Ouais. Elle est où? Elle est là. Hop. Yes. Mon pod, il est là-bas. Est-ce que tu as trouvé ton pod, Capo? Oui. Bon, bah, je vous laisse repartir en orbite. Tu vois, la prochaine, hein. On se voit là-haut? Ouais, on s'épile, on se fait une touffe. En orbite? Par contre, c'est... Ah bon, ah si, c'est... Au revoir le DOS. Non, c'est Capo. Ah non, au revoir Capo. La DOS, ça y déconne. Au revoir le DOS. 900 balles. Et au revoir moi. Eh, ça fait... 200 tout pile, c'est bien. Return to station. On se retrouve à la buvette de la station. Capo, c'est la fusée rose. Ouais, c'est ça. Et 900 balles. Ouais, ça fait une bonne petite paye, ça. On va pouvoir payer la tournée. Yes. Je vais pouvoir changer ma tenue et prendre le machin de détection de bestioles. Ah. Je vais pouvoir prendre... En fait, l'argent, je m'en fous. C'était juste exotique. 200 exotiques. Yes. C'était juste l'exotique. Comme ça, je vais pouvoir... Je vais pouvoir... Normalement, j'ai 100 claim rewards, vas-y, 200 exotiques, yes, 1519. Et avec 1519 exotiques, je peux me prendre la Neves Pickaxe, 148% de yield. C'est cool. Ça me fait même plus que l'actuelle sur l'or et le cuivre. Alors, et là... non, c'était celle-là. En termes de combinaison, c'est la... Celle qui est juste en dessous des arcs. Yeah! Celle que tu voulais te faire, ouais, la Arc S5, c'est celle-là que tu voulais te faire. Et en armure, c'est la... La CX400 qu'on a pris, nous. Parce que nous, on est des mineurs, donc on est intéressés par les bonus... De plus 25% yield from mining. Après, toi, l'autre, en tant que médecin, t'as moins 35% en menace, par exemple, sur le torse. Ouais.
qui est plutôt intéressant. C'est ça, oui, c'est pour ça que j'avais déjà commencé par. Vitesse de déplacement en position accroupie et dégâts en mode furtif. Ah, elle est pas mal aussi. Ouais, mais bien pour un chasseur ou pour un toubib, Ouais. effectivement. Elle est débloquée, par contre pour la craft, qu'est-ce qu'il reste? Il C'est faut 50 et 50 par pièce. ouais. Ça, c'est 250 fait. exotiques De et chaque. 250. Et du coup, moi Si tu as maintenant trop j'ai d'exotiques, tu peux échanger une. d'exotiques contre des pièces et je crois que c'est du 1 pour 5. Ouais. C'est C'est ce que bon. j'ai fait moi. J'ai l'armure débloquée, ça y est. Ah bah voilà, cool. Alors par Hop, contre. je débloque ça. Je me crafte ça. Ok, voilà Elle l'atelier. fait. La nouvelle pioche, elle fait que 60 000 de durabilité. Alors que l'autre, elle faisait 50 000. Gameplay. Je suis un peu déçu. Je m'attendais à Genre beaucoup 50 plus. J'ai pas fait que ça. Mais d'accord, bon. maintenant faut que j'achète le module. Et c'était lequel déjà? Ah, oui. J'arrive pas à le rechercher. Avoir le niveau d'alerte de la santé des animaux. Bon. Ok, d'accord. Ouais. J'arrive T'arrives. pas à débloquer le cuissard, les cuissards. Il faut que reviens à l'écran de sélection du perso et remets-toi, ça a dû te le débloquer et en fait ça l'a pas pris en compte. Non. Ça m'est arrivé une fois, il a fait que je revienne à l'écran de sélection du perso et Par contre, le que je module de recharge. surbrillance animale a l'air d'être plutôt pas mal. Bah Juste oui, mais derrière. tu ne vois pas leur santé, tu les vois en surbrillance quand tu les vises. Ouais. C'est-à-dire que tu n'es pas alerté par la barre de vie quand il y en a un qui est pas loin. Il faut que tu en vises Oui, un pour mais le voir en surveillance. les deux ensemble pourraient être pas mal. Les deux ensemble pourraient être pas mal, mais dans ce cas-là, tu n'aurais plus ton module de vitesse. Ouais. Faudrait un avec trois emplacements, mais il n'y en a pas. Non. Ok, c'est bon, j'ai l'armure. Ah. Cool. Je voudrais un avec trois suites Il me reste sur 250 et flotte. 682. Est-ce que j'ai une C'est vrai qu'il y a des nouveaux autre? sacs à dos. Hein? Il y a des nouveaux sacs à dos. Il y a Sont l'Arkwell Martinez Mercenary Backpack et l'Arkwell Martinez Tactical Backpack. Tactical Backpack a 12 slots d'inventaire supplémentaires, contre Ils 6. sont Et le mercenaire, il a plus 25% de capacité de munitions pour les fusils à pompe. 25% de capacité de munitions pour les fusils à pompe, plus 25% de vitesse de rechargement et plus 25% de dégâts avec les pompes. Ils sont à gauche sous les sacs à dos. Ouais, Ils ont je les vois. un nouvel icône. J'ai celui d'archer, j'aime bien celui d'archer. Ah bah nous, on a celui de Gazerreur, hein, tu t'en Meilleur. doutes. Ouais, Ouais. l'autre 12 emplacements en plus, ouais, Ouais, ça c'est pas double la mal aussi. capacité d'emplacement et plutôt pas mal aussi, hein. Ouais, mais après, Dommage qu'il c'est. n'y ait pas plus de bonus. Aucun autre Oui, bonus, là. quoi. Ouais, c'est ça, il a pas de bonus. Et l'autre, il a 3 bonus pour le fusil à pompe, mais pas d'emplacement supplémentaire. Parce que nous, on a quand même le bonus de moins 45% du poids de transport des minerais et Minerai du et bois, bois. ouais. Hein. Donc, même si on remplit les slots, ça pèse rien. Enfin. Du coup, prochaine fois, peut-être qu'on se fera un truc. Il était où? On vient de faire Avalanche Expédition. Il y a Snowblind Scan. On se fait un petit scan. Ça rapporte pas grand-chose. C'est le scan de l'Arctique. On pourrait se faire un truc comme ça. Ou alors carrément. Reste même un petit peu de thunes. Carrément Spirit Walk Exploration. Ah non, mais ça rapporte. Je pourrais même me prendre une pioche, quoi. Pour débloquer. Les dernières missions, il faut faire un Spirit Walk Exploration. C'est bizarre. Ok, Mission qui rapporte rien. according Bon, j'ai pas acheté un. Bon. Mais ça se trouve, je En peux tout cas, l'acheter. messieurs, merci à vous deux. Merci Capo De d'avoir pu rien. te joindre à nous, même si on t'a un peu mis dans la panade en te demandant de venir nous secourir C'est moi qui ai Ouais. pas assuré, toujours c'est. On t'a dit de venir te suicider pour nous sauver, et puis voilà, ça a marché.
Merci à vous deux. Merci à vous tous qui nous avez regardés. On va se retrouver du coup samedi soir avec Lodos et XK sur du Space Engineer. Et puis, d'ici là, je vous dis, portez-vous bien. Allez, ciao. Ciao tout le monde. Allez, bye bye.